milliards de points dans le troupeau. Mais comme pour elle, rien n'est trop beau. J'ai échangé de beaux billets contre un bouquet volumineux sur le chemin de la gare. Je m'abrite comme je peux, car je n'ai pas pris mon parapluie, un peu comme à chaque fois qu'il pleut. De la buée plein les lunettes, trempé des cheveux aux chaussettes. Ils annoncent du retard pour la voie numéro 7. Sur le quai, ça joue des coups, le train arrive déjà bondé. Et j'ai du mal à monter dans ce foutu RER. Pour ne pas qu'il s'écrase, je tiens mon bouquet en l'air jusqu'à ce que les fourmis arrivent et que je ne sache plus comment faire. À part bousculer un type avec mon regard qui fait peur. Mais personne n'est crédible avec un gros bouquet de fleurs. Une trottin me regarde, du genre enfin un mec attentionné. Son gros cul me hurle qu'elle mange des gâteaux par paquet entier. Elle me sourit, moi pas du tout, je détourne mon regard parce qu'elle pue les afterwork et les sextoys dans le tiroir. 30 minutes plus tard, c'est ma station, je descends. Mais le bus vient de passer, il va falloir attendre longtemps. Alors je marche, tente d'éviter les flaques à la lumière des phares. Elle ne m'a pas appelé, même si je suis un peu en retard. Et par les fenêtres éclairées, je vois l'intérieur des foyers, avec tous ces gens bien au sec qui se racontent leur journée. Je sais qu'on n'est pas différents, qu'on va dîner, regarder la télé, puis se coucher sans se toucher parce qu'on sera trop fatigué. Je l'imagine d'ailleurs m'attendre assise en tailleur, son petit postérieur dans son pantalon d'intérieur, rêvant d'un job meilleur et que je devienne géniteur. Pas besoin d'avoir de gosse pour baiser la babysitter. Je t'ai amené des fleurs car les bonbons ça fait grossir. Pas sûr qu'elle trouve ça drôle alors, mais vaudra ne rien dire. Arrivé devant sa porte, bizarrement, je ne m'arrête pas. Pose le bouquet dans une poubelle et rentre tranquillement chez moi. Plaisir de ne rien t'offrir, joie de te décevoir.